On en avait marre de perdre. On était, faut pas se cacher, on est un groupe qui est pas habitué à perdre autant et regoûter à la victoire contre Troyes dans un match difficile mentalement, parce qu'il y a eu tous ces faits. Je pense que ça fait un bien énorme au groupe et ça amène une autre dynamique. Faut pas se cacher. S'il y a ce penalty à la dernière seconde et qu'il y a match nul, je pense qu'on retrouve pas le même groupe le lendemain. Ça fait taire certaines critiques qui disent qu'on peut pas gagner aussi sans moi. Sauf que moi, je savais très bien que le groupe était capable de le faire et il l'a prouvé sur ce match-là. Donc, voilà, faut que ça nous serve sur les fins de match où on mènera. Ça arrivera, j'espère, souvent. Et voilà, c'est une fraîcheur qu'on a eue et qui est intéressante pour la suite. Je suis jamais content d'être suspendu, je suis jamais content de louper un match, mais l'intensité des matchs de Ligue 1 n'est pas la même en Ligue 2 et j'avais besoin peut-être de récupérer aussi. Mon corps a besoin de souffler aussi un peu. Voilà, tant que l'équipe gagne, honnêtement, moi, ça me va très bien. Et voilà, ça me permet d'avoir récupéré déjà par rapport à ce match de mercredi et d'arriver plus frais pour dimanche. Oui, il y aurait une défaite, ça m'aurait fait chier, honnêtement. Mais là, je suis frais physiquement et j'espère apporter encore pour mes collègues, surtout. J'espère que le pain noir qu'on a mangé avant, parce que je pense qu'on a mangé pas mal à les matchs précédents, j'espère qu'il est passé, que on va avoir un peu plus de réussite. Mais je sais pas. Honnêtement, c'est tellement particulier le foot que peut-être que là, on va encore bouffer des occasions en fin de match et qu'on va pas réussir à marquer. Mais voilà, déjà, ça fait plaisir que Momo remarque un but et pour la confiance, ça va être très important pour nous pour la fin de saison. Et j'espère que ça arrivera souvent parce que des émotions en fin de match, gagner comme ça solidifie un groupe encore plus.